Re-YouTube, on est reparti après cette petite pause pipi pour moi sur Horizon Zero Dawn. Et jeu bien chouette quand même, hein. Franchement, ça me plaît. Ça me plaît. Donc là, on allait voir Mamie Tromblon, là, je crois, non? C'était ça? Donc il y a Gratta, mais il y avait Machine entre deux, là. Il y avait Machine, il y avait les oubliés, là. Rejoindre le campement. On va afficher ça. Oh, c'est loin. Oh, c'est loin. C'est loin, mais il y a Mamie Tromblon au-dessus, là. C'est ça? Ouais. Bon, bah, faut que je revienne, quoi. Quoi, là? C'est le marchand, ok. Là, il y a le berceau. Là, il y a des ruines. Tu sais que les feux c'est aussi des TP hein. Non, faut le pack de voyage. Je n'ai pas le pack de voyage. A priori. Il pleut, l'air est moins lourd. Mais elle est en Normandie en fait. Le temps change toutes les 5 minutes. Ah non, là il y a un. Y a des bêtes. Tu aurais appelé des renforts. Et bah non, il va appeler rien du tout. Moi j'ai cassé sa petite gueule. Merde. Pas mal. Ok, les veilleurs c'est fait. Faut que je refasse des munitions par contre. Ah là, c'est mieux. Je vais par où là? Ah, ce serait pas mal si je reprenais la route. Super quoi. Ça ramouille un peu. Hein. M'en voulez pas, ça ramouille un peu. Quand il y a la pluie, c'est pas. Ouf, 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 bah, 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 bah. Reviens. Merde.
pauvres animaux, ils ont tous peur de... Non, non, y'a un dodo. Y'a un dodo, là. Allez, hop. Merci, il aide à la visée, hein. Alors là, c'est bien. Là, faut qu'on aille à gauche. Pourquoi il y a une corde, là? Un petit renard et le sanglier qui sont côte à côte, quoi. Et copain. Et copain. Des bâtons. Moi, je veux des bâtons. Est-ce que c'est comme dans Breath of the Wild? Est-ce que quand il pleut, on se casse la gueule? Ah mais me revoilà là. Ah merde. Ah j'avais pas du tout compris en fait. Mais il y avait un... Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là. Sale journée pour un de nous deux. Encore? Mais non, mais ils sont combien? Mais non, mais... C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est crado. Non mais quand il pleut, les flaques d'eau se remplissent au sol et après quand le soleil revient, elles se vident et redeviennent secs, c'est joli. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Oui. Non mais... Pourquoi on peut pas attraper les trucs là? Pourquoi on peut pas attraper les trucs? Y'a un truc au sol, elle veut pas l'attraper? Tant pis. Petit cochon. Petit cochon. Alors... Oui, c'est par là. Oh, c'est au-dessus. Des bâtons. Donnez-moi des bâtons. Je suis en train de faire une run bâton pour sang. C'est un nouveau type. Eh. Pas trop mauvaise la visée à mon âge quand même. Hein.
Je ramasse tout. Je garde ça pour la route. C'est bien, meuf. C'est bien, on peut faire des trucs pendant qu'on marche. Oh, il est bien le jeu. Hein. Franchement, il est bien le jeu. Hein. Faut que je regarde par contre quand on ramasse toutes les branches, combien de temps ça prend de faire le jeu, parce que... Hein. A priori, je suis bien parti pour tout ramasser. Hein. Ah. Renard. Je saurais quoi en faire. Renard. Ah, ça marche plus. Il cassait. Petit lapin, petit lapinou. T'as un ours derrière? Ah non, c'est un sanglier. Merde. J'ai pas eu le lapinou. Je vais devoir abandonner autre chose. Quoi? Sacoche de ressources pleines. Comment ça? Comment ça? Ah mais je veux pas abandonner les trucs moi. Je sais pas ce qui me sert ou pas alors. Ah j'ai pas ouvert ça. Le pack de déplacement rapide. Bah oui. L'inventaire est plein. Ah merde. Et j'espère qu'on peut l'agrandir l'inventaire parce que... Sinon ça va pas le faire. Hein. Bon déjà... Ça fait chier de laisser des trucs là. C'est où que j'enlarge mon inventaire? Tu risquerais de révéler ma présence. Hop là. Hop là, ça c'est fait. C'est son copain là qui arrive. Merde. Il est où? Non. Je l'ai voilà. Je l'ai démarqué. Le campement de Brom. Occupons-nous de ces rayons. Allez hop, ça c'est... C'est fait. Un truc dans le coin. Un truc violet là. Du sang mais pas de cadavre. Il faut que je tire ça au clair. Cette trace de sang s'éloigne du campement. Ah.
Slash ce point, je suis plus focus. Ah oui, regardez. Ouais, elle est sur les traces. Ah oui, d'accord. Petit furet ? Merde. Oh ! Ouais, quand même ! Pas déconner, non ? Je mangerai ça plus tard. Sur raton là. Enfin ça y est je suis Samus. Je suis Samus Aran, ça y est je rebute tout le monde. À qui est ce couteau? Quelqu'un aurait attaqué Brom avec? D'autres traces de sang. Elles mènent vers un autre endroit. Quoi là-bas? Oh, c'est des glouglous. Quoi? Elle est où la trace? Allô la trace? Qu'est-ce que je fais? Je suis aveugle ou quoi? Ah bah regardez là, il y a une grosse trace de sang là. Ah c'est bon. C'est bon, j'ai de nouveau la trace. Là, il y a des glouglous. Là, un seau. Oui, bah, analyse. Attendez, faut être pile devant. Marche pas, c'est bon. Porter le sang au campement. Les traces de sang s'arrêtent là. Il doit sûrement y avoir des empreintes de pas. Ça fait 3 jours et il y a encore les empreintes alors qu'il pleut et tout. J'ai des doutes, hein. Ah, attendez, il y a un machin. Regardez. Désolé de casser l'ambiance. Allez, et ben, un de moins. Un de moins. Il y a lui qui a remarqué. Malheureusement, pour lui, il va mourir. Voilà. J'ai l'impression quand même que je joue un peu bourrin. Je pourrais jouer en mode MGS. Essayer de pas me faire repérer. Mais non, j'aime bien. J'aime bien déglinguer les machines. Tout est clair et visible sous la pluie. Hop, un petit feu de camp là.
C'est bizarre. Le sang du campement, ce serait celui du sanglier? Si Brom a fait ça, c'est qu'il veut faire croire à sa mort. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire? Ah non! C'est les énerver là. Merde encore. Trop mal quand même hein. Ah. J'ai déjà récupéré plein de lentilles. Y'en a d'autres ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'était un veilleur, on dirait. Celui que je piste ne lui a laissé aucune chance. Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance. J'ai fait peur, petit sanglier. Tu m'aideras, petite plante. En même temps, Brom, il a eu 10 ans pour être tout seul, là. Mais je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, par contre, dans le jeu. C'est pourquoi les parias se mettent pas ensemble. Parce qu'a priori, ils sont pas mal à... J'ai l'impression qu'ils se font exclure quand même assez facilement. Et pourquoi ils font pas un groupe ensemble quoi? Cette réserve a été pillée. Rome a été un paria pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui? T'as peut-être pas envie de vivre avec les meurtriers, les violeurs, les tueurs, non? Bah si tu... S'ils sont tous comme ça, bah voilà quoi. Attendez. Chapitre. Après, ça serait peut-être mieux que d'être tout seul et de mourir, quoi. Enfin, je sais pas. C'est ce qu'il y avait dans la réserve. Pourquoi l'avoir pillé pour tout jeter ensuite? Ah, mais le pack de déplacement. Mais qu'est-ce que je peux jeter? Qu'est-ce que je vais pouvoir jeter dans mon inventaire là? J'ai quoi qui est inutile là dans mon inventaire? Oh, mais la peau de sanglier ça va peut-être me servir, les os de dinde, je sais pas, ça a l'air d'être... Fabrique d'objets... Qu'est-ce que je peux jeter?
Hop, ça j'ai... Admettons, ça j'ai jeté. Donc maintenant... Ça je peux récupérer. Ok. Mais du coup... Dans ce que j'avais, il y avait la boîte à trésors là. Très joli saut. Très joli petit saut. En fait, je suis en train de revenir là où était sa frangine là. Non, j'écoute pas. Vous devez remettre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai qu'il voit des trucs lui. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerai avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non. Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir? Comment veux-tu que je réfléchisse si tout le monde me crie dessus en même temps? Il a pas l'air bien, hein. Toutes ces voix qui te parlent sans arrêt, ça doit être épuisant. Je te promets que la mienne sera douce et apaisante. Une voix douce? Comme celle de Lara? Oh, ça fait si longtemps. Des années. Ouais. Ouais, je vais t'écouter. Est-ce qu'on peut faire des mauvais choix, du coup? C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Les esprits des oubliés. Des âmes maudites par la toute mère. Leur voix me laisse jamais en paix. Elles me disent de faire des choses, de faire du mal si je retourne dans la tribu. Les coupures, par contre. Alors, je préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Le fait d'être tout. Quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise-lui le crâne avec une pierre, ils ont dit. Et je l'ai fait. Brom. Ah bah. Tu es vivant. Elle débarque de. Béni comme ça. Soit la toute mère. Au pif. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 ma sœur. Je peux pas te protéger. Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire? Oui, comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoqué. Je veux pas te faire de mal, mais les oublier, leurs murmures, ma tête est pleine de leurs cris. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu. Mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la toute mer. Et tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. Merci, Aloy. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la toute mer t'accompagne. Et puisse les oublier, te laisser en paix. Et hop, une quête. Une boîte de récompense remarquable, c'est parfait. Je sais pas ce que c'est, mais c'est parfait. Faut que je fais quoi maintenant? Les quêtes. Point dans la lance, l'épreuve aura lieu. Non, ça c'est fait. Les oublier, c'est fait. Donc maintenant, c'est Mamie Tromblon. Où j'aille voir Mamie Tromblon, là. Donc il faut que je remonte. Voilà. Ah, ok. Et donc, normalement, maintenant, je peux me déplacer.
Ah mais ça coûte du pognon. Ah par contre, enfin voilà, ça coûte des ressources quoi. Effectivement, on peut se déplacer de manière rapide. Ah, je gagne des trucs. Oh là là. Attendez, il y a des compétences. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Des ressources supplémentaires, ça peut être pas mal. Hein. Il y a Jonah qui me disait de farmer, donc... on va farmer, quoi. Et donc, mamie, c'est par là. Ah, merde! Ah, merde! Ah, ça, je l'ai pas vu venir. J'ai pas vu venir, hein, celui-là, par contre. Vas-y, c'est par là. Merde. Il y a deux glandus en face, là. Ils vont pas me voir. Merde, hein, par contre, lui, il va me voir, lui. Il va me voir, mais je m'en fous en fait. J'ai attiré leur attention. Et je cours. Oh non, faut que je prenne le point et que je remonte. Après je remonte. Et non mais monte. S'il te plaît. Je vais garder ça pour la route. Allez, on va parler à mamie. Bonjour, Grata. Toute mère, depuis mon bannissement, n'ai-je pas été aussi constante que le flot de la rivière ? N'ai-je pas tenu mon serment aussi solidement que la pierre? C'est quoi l'araignée énorme là, mécanique? Accorde-moi ta grâce, toute mère, et offre-moi ma pitance. Bonne nouvelle, Grata. Une fois de plus, la toute mère t'a apporté des lapins. Oh, toute mère, ta voix se brise comme le tonnerre dans le lointain. J'entends tes chants de deuil, toute mère. Je voudrais y joindre ma voix. Mais j'ai laissé mes perles de prière sur le promontoire de l'Est. J'ai tellement peur. Attends-moi à ton campement, Grata. Je vais voir ce que je peux faire. Il va falloir que j'aille chercher son machin. Rejoindre le haut du point de vue. Quoi ? Comment ? Et bah c'est parti. Oh, petit lapinou. Vous avez ça le gentil petit lapin? Vous avez ça? Oh, il s'est barré.
Eh. Eh, on me la fait pas à moi. Hein. J'ai plus de place. On peut plus manger le lapin? On peut plus manger les lapins. Quel dommage. Ok. Je continue à avancer par là. Des bâtons par contre là... Des bâtons? Non, non. On peut récupérer des bâtons. Ouais, faut que je prenne part en bas là. Trempé par la neige fondue. Ou je prenne par là, sinon après je vais être Keblo. Ah! Mais ils reviennent en fait. En fait dans le jeu les ennemis ils reviennent quoi. Allez, finissons-en. Comment ça, le sac de soins plein? Ah bah oui. Allez. Ah mais y'a quelqu'un là. Y'a un mec tout bourré. Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule? C'est ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena. Ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Tout à fait logique. Jusque là, tout à fait logique. Tu es conscient que les matriarches risquent de te bannir pour m'avoir parlé? Ça m'est égal. J'ai essayé de la retrouver seule, mais ma jambe m'a lâché. Je t'en supplie. Peu m'importe le châtiment tant que je la retrouve en vie. Arana est allée vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. C'est les gosses, hein. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme, incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Allez. Il faut que tu la sauves. Si je veux. Je t'en prie. Elle est juste allée trouver un coin tranquille pour prendre du crack. Je sais pas, mais le père, il a pas l'air. Il a pas l'air net, le père. Hein. Y'a un glouglou. Y'a des glouglous.
contre, tant que c'est en hauteur, il voit rien. Hein. Hop là. Faut bien que jeunesse se fasse. Qu'est-ce que tu parles bien quand tu veux pas ta tarte? Le sentier des braves qui mène en haut n'est pas loin. Ah! Merde! Hop! Si vous fermiez vos gueules, finalement. C'est comme ça, hein. Finissons-en. Vas-y, regarde-moi, toi. Genre, il fait des roulades. Genre. N'importe quoi. Grata monte jusqu'ici à son âge, et juste pour prier. Ça, c'est de la ferveur. Genre, la petite vieille a fait ça. J'aille vers où? Ouais, d'accord. Genre, la petite vieille a fait ça. Genre, vous allez me faire croire ça, quoi. Que mamie Tromblon. Je connais bien AliExpress, genre les produits parfois c'est les mêmes que sur les sites FR mais de 1 ce sont contrefaçons. C'est AliExpress. C'est AliExpress dont tu parles. Où tu faisais une vanne. J'ai fait deux fois la photo, ok d'accord. En fait. Il n'y a pas que des contrefaçons en fait. Hein. Mais moi j'ai acheté pas mal de matos pour le stream sur AliExpress. La carte de capture par exemple, quand je capture la Switch ou la Wii U, c'est du AliExpress. Hein. Faut pas croire que j'ai acheté une carte Elgato à 12 000 balles. Hein. Oh non, pas les coins-coins. Je voulais les buter. Je voulais buter les coins-coins, j'ai pas réussi. Puis ils se barrent direct. Hein. Ils ont déconné zéro les coins-coins. Hein. Ça a l'air intéressant. Ah ah, les perles de Grata. Je comprends pourquoi elle vient prier ici. On voit la porte de la mer. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait qu'elle m'ignore, ou qu'elle ne soit jamais seule vu qu'elle parle à la toute mère. Les sites font surtout du dropshipping pour certains, c'est le même produit que sur AliExpress. Mais à 3 fois, 6 fois le prix, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, il y a pas mal d'arnaqueurs en fait en France qui l'utilisent, enfin qui font du dropshipping. Donc en gros, ils commandent pour toi, mais derrière, ils se prennent une com de 12 fois le prix, quoi. Ouais. Et je sais pas par contre, alors parce qu'il y a. On va faire une pause 2 secondes là-dessus. Il y a une nouvelle loi maintenant où quand la TVA n'est pas collectée sur le site, la TVA, tu dois la payer au moment de la réception de ton colis. Et je ne sais pas si AliExpress fait ça, la collecte de TVA directement à la source. Mais sinon, en fait, les frais, ils sont énormes en France. Ouais, il y a les taxes en plus, mais ça revient toujours moins cher. Non, mais justement, faut regarder si AliExpress facture bien la TVA maintenant. Enfin, je ne sais pas s'il le faisait avant ou pas.
Ça faut, ah bah faut vérifier produit par produit, parce que ça, voilà, ça doit dépendre des magasins qui sur AliExpress. Mais sinon, ouais, tu tapes 15 balles à la réception, quoi. Donc si t'achètes un truc 2 euros parce qu'il coûtait 10 balles en France, finalement t'es pas gagnant, parce que si t'as pas la TVA, bah tu vas la payer à l'arrivée, quoi. Donc plus les frais de dossier de la poste derrière. Donc voilà. Ma fille avait envie de 2-3 trucs à la mode, c'était juste du 6x12 fois en dropshipping. Ah non mais c'est ouf, hein. C'est ouf. Ouais, bah, j'ai acheté ma carte PCI USB. J'ai dû l'acheter 7 balles. La carte de capture, c'est pareil. Non, mais la carte de capture. Vous vous rendez compte que les cartes de capture Elgato, je vois tout le monde chier sur les cartes de capture Elgato. Ça marche un coup sur 12. Il y a plein de bugs et tout. Enfin, sur les streamers que je regarde, à chaque fois, ça bug tout le temps. La mienne, je l'ai payée combien ? 20, 30 balles ? Je sais plus. Le truc fonctionne nickel, quoi. Donc, bon. Faut faire gaffe, quoi. Des fois c'est obvious, genre un site pour un produit, ce sont des sites éphémères qui ont une durée de vie quelques... Il y a, comment il s'appelle, un créatif, je vous invite à aller regarder la vidéo, enfin les vidéos, je crois qu'il y en a plusieurs, il y en a une ou deux, de un créatif qui justement monte un site de dropshipping pour voir combien de gens vont se faire avoir, et c'est assez ouf quand même. En fait, je connais quelqu'un qui achète ses sur AliExpress. Et j'ai toujours eu peur que ce soit des contrefaçons avec produits toxiques, mais en fait, il a jamais eu de soucis. C'est du silicone. Hein. Tu sais, il y a pas moins cher que le silicone. Hein. En fait, donc pour arriver à faire moins cher que du silicone, faut y aller. Hein. Mais non, AliExpress, moi, j'ai jamais eu de soucis avec AliExpress, hein, au contraire, hein, c'est super bien passé à chaque fois, et je suis très content des produits que j'ai eu, quoi. Alors, allez où ? Ok, donc je vais aller direction Arana, comme ça après ça me permet de remonter à Mamie Tromblon en haut, quoi. Je pense que c'est plus simple si je fais comme ça. Ou alors ça, non, en redescendant. Ouais, sinon je fais Mamie Tromblon et après je redescends. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, je vais descendre en rappel déjà. Ah ouais. A fait du rappel comme ça. Bah écoute, vas-y, hein. Radi en avait parlé aussi. Il y a un Vinyas Couture qui avait montré les arnaques du type dans le domaine de la couture. C'est pas réservé aux geeks, nerds, jeunes, ce type d'arnaque. Ah non, du tout. Quand un créatif, il avait fait ça avec une montre. Il faisait du dropshipping, enfin il l'a pas fait du coup. En fait les gens, je la préparerai plus tard. Les gens qui se sont fait avoir par son dropshipping, en fait qui leur envoyaient des mails en disant en fait là vous venez de vous faire avoir. C'était une arnaque. Donc faites attention la prochaine fois et vérifiez ces trucs là. Dans la vraie vie tu fais du rappel ainsi, tu meurs une fois sur deux. Surtout tu t'arraches les bras, quoi. Déjà, je pense qu'il y a ton bras. Moi, je fais du rappel comme ça, il y a mon bras, il reste sur le truc, en fait. Je l'ai pas pris, lui. J'avais pas allumé le feu. Allumer le feu. Et allumer le feu pour se téléporter après, c'est vachement plus rapide. Oui, non, bah Aloy, bah, j'imagine que Aloy est habitué, quoi. Enfin voilà, c'est. C'est une petite. C'est une jeune qui fait ça depuis qu'elle est petite, quoi. Donc bon. Elle a des articulations faites pour, quoi. Mais moi, je fais ça, je mours, quoi.
On a pas d'endurance par contre dans le jeu? Genre je peux courir autant que je veux? Voilà Grata, avec la toute mère, comme à chaque fois. Voici tes perles de prière, Grata. Tu as tout ce qu'il te faut maintenant. Oh, toute mère, chaque matin, je vois tes larmes de joie sur les feuilles et les fleurs, car tu pleures face à la beauté de ta nature. Vois comme je pleure avec toi de gratitude. Complètement barré. Tu pleures avec elle, mais tu ne veux pas me parler. C'est pas grave, tu es une bonne paria, toi au moins. Grata, je crois que je viendrai moins souvent. Je vais participer à l'éclosion et ça risque de changer beaucoup de choses. Toute mère, je te remercie pour les dons que tu me fais. Pendant l'éclosion, dans ton immense sagesse, puisses-tu aider quelqu'un au cœur généreux? Ah, parle-moi. Je crois que j'ai compris ton message. Adieu, Grata. Ou au revoir. Oh, toute mère, entends-moi égrener mes années de dévotion avec ces pères. Dans la catégorie sextoy fantasy, le site Dragon a proposé des produits assez fous. Et super. Ah oui, Bad Dragon. Par ce doux murmure qui fait frémir les hautes herbes. Et pas barré, elle parle en vrai, mais elle respecte son exil, son addiction parlée à quiconque. Ouais, Bad Dragon, ça existe depuis des années, Bad Dragon. Ils font des trucs chelous quand même. Hein. Et Bad Dragon, il y a des trucs... Quand ça ressemble à des trucs de chien, tu fais « Ah !» Ah d'accord. Bah ouais, non. En fait, non. Ouais, un peu trop animaux à mon goût. Hein. Ouais, non, c'est ça. Hein. C'est des fois... Ah! D'accord. Je connais depuis très longtemps. Oui, nous, C'était un collègue qui aimait bien nous montrer des trucs chelous. Qui nous avait fait découvrir au boulot. Un loup-garou, tu t'attends à quoi? Ouais, non, mais... Bah, je sais pas. Un loup-garou, il est moitié... Ok, moitié loup, mais il est moitié garou, quoi. Donc je m'attends à un truc qui chante. Celui qui n'a jamais été seul. En plus, ça tombe bien pour un sextoy, quoi. Enfin, voilà, ça peut être utilisé à deux, hein, je le sais. Commencez pas à me dire, oui, les sextoys, c'est pas que quand on est tout seul, blablabla, blablabla. Oui, je sais. Mais voilà, c'était pour la blague. De garou qui chante celui qui n'a jamais été seul, hein, pour un sextoy. Voilà. Ah, moi j'ai recontacté Paloki récemment, alors disant hey, « Eh, dis donc, vous voulez pas m'envoyer un truc là que je teste, clin d'œil, clin d'œil ?» Et C'est sûrement Arana, elle a des ennuis. Ah bah oui. Et du coup, ils sont où? Pourquoi il fait nuit d'un coup là? Elle est où? Quoi? Ah mais merde, elle est de l'autre côté. J'ai attiré l'attention. Quoi? Mais pourquoi ils sont hyper balèzes là? Ah non, c'est juste moi qui visais mal en fait. Merde. Merde. Ok. Aïe! Arrête! Des roulades. Putain, elle est super hypée la gamine quoi. Ah c'est bon, on descend. Merci de m'avoir sauvé des machines. Pas de rien.
Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Qu'est-ce que vous dites ? T'as rien compris à ce que je disais ? Bah, le loup-garou, et je chantais du garou en fait. C'est tout. Recontacter qui ? Paloquet. Paloquet, c'est une marque qui fait des sextoys, ouais. Et des poires à lavement, en vrai, c'est important. J'aime que les gens soient propres avant de faire des choses avec eux. Alors moi, j'ai une poire à lavement. Je m'en sers pour me nettoyer les oreilles. Ça marche vachement bien, hein. Petit coup de poire dans les oreilles et paf. De temps en temps. Et oreille nickel. Oreille comme ça. Et donc ouais, pour l'histoire de Paloquet, en fait, c'est une société qui m'avait contacté sur Twitter pour me demander si je voulais tester des sextoys. Et j'ai eu max de trucs. Je sais plus, j'en ai eu 5 ou 6 en fait, gratos. Alors c'est interdit, je crois, par les conditions d'Amazon. Allez pas le répéter, hein. Ah non, c'est pas vrai, Amazon, j'ai jamais fait ça. Et du coup voilà, il m'avait envoyé des trucs pour que je teste. Mais j'avais fait j'avais fait des tests pas du tout lèche-cul. J'avais vraiment fait des trucs les points négatifs, je les avais dit tout, mais ils font vraiment du bon matos. Et donc récemment, je leur ai dit vous avez pas un petit truc à me faire tester? Et ils m'ont dit non, a priori, ils sont fait virer de chez Amazon. On les trouve plus sur Amazon en fait, mais ils ont dû se faire virer. Parce que Amazon là pendant un temps a fait le tri en fait dans justement les sociétés qui envoyaient des trucs comme ça gratuitement pour avoir des avis positifs sur Amazon. Donc je crois qu'ils s'en fait virer. Énormément pour toi. Ils s'inquiètent même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. Ah. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais, mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Hein, je leur ai acheté un truc il y a genre 3-4 mois pourtant. Ouais, mais il y a vraiment pas longtemps. Hein. Il y a vraiment pas longtemps. Essaie de regarder s'il y a encore des produits là sur Amazon tout de suite maintenant. Et je crois que tu vas pas voir. Hein. Parce que pour le coup, il y a du 18+ sur Amazon sans souci. Ah oui, non, c'est pas un problème hein, du 18+. Mais c'est en fait, c'est pareil. Il y a Oki. Oki, ils sont fait taper en fait. Ils ont été bannis de Amazon pendant un temps. Je crois qu'ils sont de nouveau de retour sur Amazon. Mais Oki, ils se sont fait... Ah oui, page introuvable pour le produit, voilà. Oki se sont fait bannir, donc c'est des produits techno. Hein. Oki, ils font des câbles USB, ils font des trucs comme ça, quoi, des hubs. Et Oki, c'est pareil, ils se sont fait bannir de Amazon parce qu'ils envoyaient des produits et derrière, ils demandaient à avoir des bonnes reviews sur Amazon, quoi. Comment tu t'es retrouvé dans l'arbre? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mer. Je l'ai même aperçu, mais un veilleur m'a repéré et a appelé sa meute. Par la toute mère, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein. Je vais te la récupérer, ta lance, moi. Je la retrouverai, ta lance. Voilà. C'est vrai ? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. Ça veut dire quoi les trucs quand c'est bleu, blanc, tout ça au-dessus? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce que ça change quand ce qu'il y a au-dessus c'est bleu ou c'est blanc? Attendez, mais c'est à côté. Qui l'a pas un? Pourquoi j'ai pas allumé le feu là? Qu'est-ce qui se passe avec les feux? Quel est donc ce bordel? Je suis toujours à examiner la zone avec votre focus. D'accord.
Regardez. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Et donc, il y a un cycle jour-nuit alors dans le jeu. Le berceau de la mer. Ça ramouille, ça ramouille. Oh, très utile. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Bah, voilà le périple, hein. La musique est cool, hein. J'aime beaucoup la musique. Là-bas, regardez. La voilà. Maintenant, la lance. Et il s'est barré. Mais reviens. Viens te faire casser la gueule. J'ai plus de munitions, mais j'ai des idées. Merde. Quoi ? Oh non mais à travers ! Putain, à travers le truc quoi. Non ! Merde. Mais ils sont plusieurs. Aïe. Bordel. Bordel. J'ai eu peur. Cette arme est magnifique. Arana sera heureuse de la récupérer. J'ai eu tellement peur. Quand on rentre sur la piste. Ah, j'ai eu peur. Je garde ça pour plus tard. C'est quoi le cimetière là? Pourquoi je suis un fucking cimetière de machine là? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Alors. Bon. Alors du coup, j'ai eu... Ah oui, d'accord, il y a une tyrolienne. Une tyrolienne. Toi aussi, tu achètes Bad Dragon sur AliExpress. Putain, le pauvre Chrisou qui arrive là, direct. Alors. Et toi? Et toi, c'est tes sextoys, tu les achètes où? Vous avez des modifications d'armes de tenue non utilisées utilisées pour améliorer vos armes ou vos tenues. Sur les capacités de stockage. Ah bah oui, ça oui. Oh mais ouais, depuis le temps, depuis tout à l'heure en fait, je pouvais faire ça. Le carquois. Ah oui, 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 oui. Attendez. Ah mais je peux mettre des trucs dans les emplois. Ah mais c'est fou. Bad Dragon sur AliExpress, ça doit être des fakes, non? J'ai acheté des trucs au Japon direct, Bad Dragon. C'est pas pour les trucs de furry, non. Non, non, du tout. Apparemment, le retour d'expérience d'un pote, bah non, c'est vraiment les mêmes produits. Mais pour Bad Dragon, je sais pas. Il y a plein d'autres, c'est... Après, des fois, les faux, c'est des vrais, quoi. Coucou, Gabel, comment ça va? Eh bah, écoute, ça va. On passe un super bon moment sur ce jeu. Franchement, c'est cool. Et donc, c'est quoi? Bobine dégâts. Plus 19. Non mais je vais mettre full dégâts là, non? Ah d'accord. Mais ouais, oh là 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 là, j'ai compris des trucs dans le jeu. Puis là, bah ouais, maniement. Maniement. Ah mais si le jeu il me dit pas là. Pourquoi je peux pas aller dedans là? Le jeu il me dit pas les trucs. Ah bonjour, c'est la mauvaise foi. Oh mais regardez comment c'est énorme maintenant. J'ai trop de place. J'ai trop de place. Si j'avais su avant. Hein. Horizon, c'est le truc avec les mécadinos. Exactement. j'aurais pas mieux résumé. C'est le jeu avec les mécadinos. Bad Dragon, je connais que les trucs louches. C'est pas qu'ils avaient des trucs normaux. Ah non, non, ils ont que des trucs louches, hein, mais c'est pas du furry, quoi. Jamais commandé sur AliExpress, j'ai pas confiance. Faut juste faire gaffe. Faut juste faire gaffe aux marchands sur AliExpress, mais sinon c'est ok, ouais. Jamais non plus, c'est un truc que tu mets dans le... Autant que ça soit matière appropriée. Je sais pas si j'aurais confiance, mais tu peux tester. Mais non, mais en vrai, même si c'est du faux en fait, bah en fait j'imagine que ça doit sortir exactement de la même chaîne. Sauf qu'ils doivent s'en mettre 2-3 sous le coude quoi, tu vois. Ouais, quand je dis sous le coude... Ah ouais. Je fais plus mal qu'avant. Je sens le sol ramollir. C'est normal, il pleut meuf. C'est normal, il pleut. Hein. Oh, il y a ça y est, il y a les vraies astuces. Les vraies astuces dans le chat.
D'ailleurs, tiens, vraie astuce. Les jouets en silicone. Au bout d'un moment, les jouets en silicone ont tendance à devenir un peu collants. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Est-ce que vous savez comment leur redonner un aspect normal? Banco, Maizena. Bien ouais, on voit les gens qui connaissent. Si jamais ouais, vous avez des objets en silicone qui deviennent un peu collants. Maizena, hein, dessus, et ça marche 100% quoi. Il y a des marques qui vendent des produits. Pour remettre le silicone en état, et en fait c'est 100% de la fécule de maïs, donc de la maïzena quoi. Soit vraie info, il est conseillé de mettre une capote sur un toy car les lubrifiants adaptés peuvent s'abîmer. Ouais, mais ouais. Ouais. Faut pas acheter, ça coûte trop cher. Mais oui, en fait c'est juste de la maïzena, enfin c'est 100% de la maïzena quoi. Donc non quoi. Non. Je peux lui acheter des trucs lui parce que j'ai plein de ressources moi. Arc de guerre. C'est la guerre. Ça coûte cher en fait ces conneries. Des ressources, on s'en fout. Les ressources, c'est pas ce qui manque, hein. Ça j'en ai what mille. Est ouverte pour révéler son contenu. La gardienne Nora. Ah mais je les ai ça en fait. Eh oui mais ça je les avais. Oh là là. Ça en fait d'accord, fallait les acheter dès le départ. Ok, oh là. C'est bon, je commence à comprendre. Ok. Je commence à comprendre le jeu, ça y est. Ça on a quoi? Bah voilà. Oh mais tellement de ressources. Des ressources partout. Des ressources. Et du coup qu'est-ce que je peux faire? Un sacoche de ressources. Viande riche. C'est quoi qui me donne de la viande riche? Et hausse de sanglier. Bon, faut que je bute un sanglier là. Petit. Ah bah regardez, ça tombe bien. Petit connard. Oh le salaud. Reviens là. Reviens par là. Merde. J'ai plus de mun. Eh bah dis donc. Viande grasse. C'est bien. Ah merde. Moi je voulais de la viande riche. Par contre je peux créer... Ah oui, je peux avoir plus de flèches maintenant. Cher, j'avais pris, c'est ok. Il y a que Tanga qui est vraiment top. Avec lubrifiant à base d'eau, t'allumeras jamais rien, ouais. Et les capotes, ça fait un sacré budget. Ouais, non, ouais, c'est lubrifiant. Ça, de toute façon, c'est bien indiqué sur les sextoys. Je vais encore me faire ban de. Je vais encore me faire ban de YouTube, moi, avec mes conneries, là. mais oui, effectivement. Les lubrifiants corps gras, pas bien. Et c'est marqué sur tous les sextoys à base de latex ou de silicone que les corps gras c'est bon quoi. Petit lapin.
Il est où, Lapinouf? Merde. Moi, j'étais complètement à côté, hein. Ah, viande riche. Ah, viande riche. Alors, du coup, maintenant... Quand c'était os de sanglier... Où est-ce que j'avais vu... Ah, j'en ai 4. Il m'en faut un de plus. Donc les lapins, c'est viande riche. Avec capote, ouais. Bah oui, non, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, bah latex ou silicone, donc c'est capote quoi. Je me souviens plus de la vidéaste qui en parlait, mais elle a eu pas mal de soucis avec sa sextoy en silicone qui s'était abîmé malgré du lubrifiant à base d'eau. Alors oui, souvent ouais, ça devient un peu collant et c'est pour ça qu'on donne le coup de la maïzena quoi. Pas d'huile d'olive, non, non. Après la capote, quand tu partages un toy... Ah oui, par contre oui, effectivement, oui, si tu commences à partager, oui, non, là... Oui, oui, effectivement, là... Non, lapin, lapinou. Non, viens, reviens là. Yes. J'ai eu le petit lapinou. Et du coup... si j'artisanal maintenant... Non, c'était pas ça. I can enlarge my sacoche. Créer une tâche, c'est quoi? Non. Je vais regarder après. Je finis ma quête là. Après, je regarde ce que c'est que la grosse tâche. Loué soit la toute mère, Aloy est revenu. Avec la lance. Juste de l'huile de coude. D'abord, tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. Ça me fait plaisir. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Ma mère t'aurait admiré. Merci, Aloy. Merci pour tout. Tu me l'améliores, ma lance, ou... Quand je pense à ce qu'aurait été ma vie si j'avais perdu Arana... D'où? Ah non, bonus de dégâts pour la lance, plus 1. Ok. Ok. Tu te sauvegardes, hein. Niveau 6. Wesh. Santé max, plus 10. Trop bien. Ah, accélère le soin, ça pourrait être pas mal, parce que le soin, il est quand même super lent. Hein. Quand je l'active, ça fait... comme ça. Les attaques légères, on s'en fout. Ah non, mais ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est tellement bien en fait. En fait, le coup critique, parce que ouais, je les fous régulièrement à terre et en fait après je peux rien faire quoi. Ça fait si mal que ça? Ah oui! Ah, coup critique, ça les bute direct en fait. J'avais pas compris. C'est pas ça que je voulais faire, mais. Et donc, ça j'ai fini, et donc je voulais, c'est quoi le truc des tâches là? Par exemple si je veux, hop, j'ai créé une tâche, cette tâche existe déjà. J'ai rien compris. J'ai
J'ai encore rien compris. Les quêtes. Ah, les tâches. Ah voilà, amélioration de ressources. Ah, Eddie, qu'est-ce qu'il faut que je... Par exemple, activer la quête. Donc là, ça me dit quoi? Ça me dit là où il y a les sangliers? Ah non, ça m'affiche juste le truc à la con. Oh non, c'est naze. Voilà. Lance-câble niveau 8. Faire tomber des machines avec des câbles électriques. Ah donc faut que je change d'arme ? On change l'arme. Ah, j'avais pas compris ça qu'on pouvait faire ça. Oula, ils sont combien là? On sait jamais, ça peut servir. Hein? Bon, ça marche. Merde. Ok, j'ai compris comment ça marchait. Ça y est, j'ai compris. En fait, ouais, faut les... Faut les attirer dans un piège quoi. Voilà, mais vu le nombre qu'ils sont là-bas. Hop là, hop là. Non mais je m'en vais. Viens par là. Viens par là, petit connardo. Connardo. Allez bon. Allez bim. Oh oui, non mais alors, les deux là. L'alliance des deux, c'est la... c'est GG hein. Vous électrocutez les machins et derrière coup critique. C'est juste génial. Je suis très content.
Et donc j'ai fait ma quête là. Ça ? Ça me donne quoi ? Ah, ça me donne de l'XP. Ah, donc ça servait pas à rien en fait. Ça m'a donné de l'XP. D'accord, les pièges électriques. Ça c'est quoi ? La potion de santé totale. D'accord, ça j'avais récupéré. Ok, bon allez. Ouais, on va aller retrouver papa. Ils sont encore là. Eux. Non. C'est trop loin pour le câble. Merde. Hop là, allez. Bam. Isberm. Tac. Ça y est, je commence à comprendre. Je suis pas super fan de ce type de jeu habituellement, mais là, celui-là, j'ai adoré malgré le gameplay bof. Souvent, il farm. Bah écoute, moi, le gameplay, je trouve bien. Là, je m'éclate là. En fait, ouais, ça a des relents de. Ça a des relents de Breath of the Wild, quoi. Petit lapinou. Où es-tu, petit lapinou? Ouais, tu mérites de vivre, petit lapinou. Parce que, franchement, vu comment tu m'as échappé, tu mérites de vivre. Non, je suis pas là, je suis à côté. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Qu'est-ce que c'est ? La nuit ? Bah c'est quand il fait pas jour, quoi. Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok ? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost, mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder, toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras ? Je savais que tu dirais ça, mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura, je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu semblais avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus, ça ira. Oui, en effet. Ils sont allés jusqu'à modéliser les veines sur elle. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a une grosse veine et tout sur le biceps. Et je trouve ça cool en fait, parce que bah, les gens musclés, oui, ils ont les veines à l'extérieur. Alors moi je vais pas vous montrer parce que c'est plus le cas, mais on a tendance en fait à développer les... Quand vous vous musclez en fait... Les veines à l'intérieur de vos muscles ont moins d'espace parce qu'il y a le muscle qui prend plus de place. Et donc c'est les veines à l'extérieur qui ont tendance à se développer pour pouvoir faire partir le sang plus loin en fait. Et donc les gens très musclés en fait, c'est pour ça qu'on voit les veines sont bien apparentes en fait, c'est parce que les veines à l'extérieur
se développe. Et ils lui ont fait une putain de veine là sur le biceps. Et je trouve ça cool. Et c'est la voix de Hagrid dans les jeux Harry Potter sur PS. Alors j'en ai aucune idée. Hein. Mais c'est une voix connue. Hein. C'est une voix connue en français. Hein. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. Ah ouais, il y a des trucs chelous sur Bad Dragon. Ah ouais, non mais il y a quasiment que des trucs chelous, quoi. Intéressant ton speech sur les veines. Bah voilà. si je peux vous apprendre des trucs. J'ai porté des lapins à Gratta la Fêlée. Elle a remercié la toute mère, bien sûr. Parce que c'est la toute mère qui lui a donné ses lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seul. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seul. J'ai vu Garst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Mais c'est pas correct, je suis super veineux, mais je suis pas musclé. Alors attends. J'ai dit que les personnes très musclées avaient les veines extérieures qui étaient très développées. J'ai pas dit que le contraire était vrai. J'ai pas dit c'est parce que t'es super veineux que tu es musclé. Tu vois, il y a une différence. Il y a une différence entre musclé implique grosse veine et grosse veine implique musclé. C'est pas les mêmes. Hein. Attention, je n'ai pas dit ça. J'ai dit la première. J'ai dit musclé implique grosse veine. C'est tout ce que j'ai dit. Ah ouais, tu vois. Tu vois. Et re-Joanna. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Faut pas que je retourne... Je peux rester là quand même pour dormir, non? Putain, la carte qui met 15 plombes à charger là. On est pas mal là. Le réseau veineux externe se développe quand le sang passe mal dans le système interne en gros. Exactement. Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. C'est quand même bien fait, hein. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Suivre le chemin de la destruction. Ça a l'air d'être sympa comme nom. Ah non, les pierres. Ouais, les pierres, j'en ai assez. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Sa maisonnette. Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Aussitôt qu'il pleut. Il est tout heureux. Il sort sa tête. Surveille les alentours. Alors ok. Hein.
Y'a un petit renard là-bas. Fini l'approche discrète. On y sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront leur chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudent. Quand j'ai des petits bruits en fait là, le stomb, ça veut dire que j'ai sûrement quelque chose à crafter, non? J'imagine. Merde. Merci. Un brouteur, mais j'ai jamais eu ça, un brouteur. Qu'est-ce que j'entends? Quij. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir un combat. Un pavillon tout entier, anéanti par des Dantsi. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Je peux le vaincre. Ça, ça va être à toi de le découvrir. Il va la pousser, ce connard? Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu. Visez, hein, pour placer un câble électrique sur le trajet du Dantsi avant de l'étourdir. Pour placer un câble électrique, visez le sol. Ah oui, d'accord. Hors de portée. Il est où? Te cache pas, mais ça va pas, non? Moi je peux passer, ça me fait rien. Hors de question de me cacher, hein. Par là. Ouais, le gamin. Je devrais le scanner. Voir ce qu'on prend. Putain, je prends cher, hein.
Voilà. Mais non, mais c'est dégueulasse. Il est énorme le truc. Quoi? Mais non! Allez! Merde. Bon, je vais peut-être le faire plus... je vais peut-être le faire plus calme, plus doux. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Je vais peut-être le faire cacher finalement. Il me semble qu'il est passé par là. Ah non, il est passé par là. C'est pas possible! Arrête! Arrête le toutou! Comment je fais pour qu'il me voit plus? Qu'ont vu, ça sert à rien de te cacher ensuite, c'est avant qu'il fallait s'accroupir ou alors courir loin. Ah ouais, mais j'ai rien compris quoi. Normalement il va repasser par là, non? Il est un peu con, il va sûrement repasser par ici. Voyez? Vous me voyez? Je dois me préparer. Mais comment il a fait pour me voir?
Mais non, mais comment il fait pour me voir, ce sale con? Aïe! Mais je suis caché! Mais je t'ai caché. Je devrais changer d'arme. Et non, tu devrais pas changer d'arme, tu devrais en refaire, voilà. Voyons. Il est où? Il est où le gros vilain? Par là. Mais il est passé dessus, ça a rien fait. C'est une blague? Non mais regardez parce que... Regarde, oh là, parce que le truc est couché au sol quoi. Merde, c'est pas ça. C'est ça que je veux faire. Il est où? Après j'en mets un là. Vas-y, viens par là. Yes. Non. Vas-y, go. Bourre. Voilà. J'ai réussi. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Alors... La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. J'ai pas eu le temps de looter. Merci pour le GG. J'ai pas eu le temps de tout loot. Tout loot. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces Dancy, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire, après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Bon, allez, on se casse.
jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment ? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Il est un peu... Il est toujours un petit peu... Comment dire ? J'ai gagné plein de points. Trop bien. Cachotier, ouais, c'est ça. Un peu secret. Vas-y, ouais, j'ai des trucs. Qu'est-ce que je peux prendre ? Oh bah les coups critiques. Oh là là, mais c'est tellement bien. Ah non, mais les coups critiques, hein, vas-y. Let's go. Ça a l'air d'être tellement bien, ça. Et du coup, mes quêtes. Ok. Ok. Là j'ai des... C'est des plantes ça, hein. Ouais, voilà. Allez hop, je vais sauvegarder. Alors c'est quoi sauvegarde manuelle ? Hop. Pourquoi j'ai une sauvegarde manuelle à ce moment-là ? Je sais pas. Allez bam. Bah des bisous YouTube, à la prochaine. Alors, on va revenir sur le jeu évidemment, hein. Il est vraiment cool. Donc très bientôt, on y retourne. Des bisous.